L'onde de choc frappe le village Ekekom. La date du 17 mars 2023 reste à jamais gravée dans la mémoire des habitants de ce village, de l'arrondissement de Sa, département de la Leki. L'honorable Jean-Bernard Ndongo Esomba n'est plus. Né le 20 août 1946 à Kolmelok, région du Centre, Jean-Bernard Ndongo Esomba, respecté par toute la classe politique, ami, soutien et frère du président de la République, Paul Biya, est un habile virtuose politique. En 1991 et 92, tout le monde était sûr que le pouvoir de Yaoundé allait tomber. Nous étions relativement jeunes et nous étions engagés, nous étions sur le terrain politique, mais le président Ndongo était resté ferme. Il nous disait, il n'y a rien à faire, voilà un pouvoir qu'il faut défendre bec et ongle, et juste, même s'il faut qu'on en meure. Homme d'affaires prospère et discret, il est surnommé le roi de la fève en raison de sa très longue carrière dans la négoce du cacao, aussi bien sur le plan national qu'international. Il est exportateur de cacao et de café. Administrateur de la SIC Cacao de 1978 à 2023. Vice-président de la Chambre de commerce de 1983 à 2020. Par la suite, président de la FECABOX de 1991 à 1993 et président du conseil d'administration des caisses populaires d'épargne et d'investissement de 2004 à 2017. En politique avisée, sa réputation va au-delà de la région du Centre. C'était un homme discret, efficace, humble, modeste, serviable. Et moi, en tant que militante du RDPC, c'est le prototype du militantisme voulu pour notre chef de l'État. Un homme loyal au président de la République, un patriote. Plusieurs fois élu député, il est au cœur du dispositif pour l'ancrage du RDPC au niveau national. C'est ce qui le consacre 5 fois de suite président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale. Qualifié de machine politique par ses pairs, il est un habile et infatigable intermédiateur dans la gestion de certains défis de l'appareil politique, ce qui lui vaut des distinctions honorifiques, à l'instar de chevalier de l'ordre du mérite camerounais, officier du mérite camerounais, commandeur de l'ordre de la valeur, grand officier de l'ordre de la valeur, entre autres. Chrétien catholique pratiquant, l'honorable Jean-Bernard Ndongo Esomba laisse trois épouses, plusieurs enfants et petits-enfants ravagés par la douleur et la tristesse. Un baobab s'en est allé. À toi, les fleurs honorables.